Salutations au prince et à la princesse du royaume d'Agueno. La princesse Ego m'a demandé de vous escorter. C'est très bien. Allons-y. Lève-toi. Igwe. Prince et princesse du royaume d'Agueno, comment allez-vous? Nous allons bien, mon roi. Et ma chère, comment vont vos parents? J'espère qu'ils vont bien. Oui, ma reine, ils vont bien. Je suis contente. Ego. Oui, papa. Je t'en prie, prends très bien soin de tes visiteurs, ok? Je vais le faire, papa. Pendant que nous participerons à la cérémonie du mariage de la fille des Onowu, ok? Ok. S'il te plaît, Ego, rassure-toi de bien prendre soin d'eux. Je vais le faire, maman. Et, s'il vous plaît, sentez-vous à l'aise. Merci. Allons-y. Prenez place. Waouh. Bébé. Oui. Tu m'as jamais dit que tu avais une sœur si jolie. Je suis la princesse Egoanua. Je suis princesse Ujua. Très heureuse de faire ta connaissance. Hein, princesse Ujua, ça te dérangerait si je pars avec mon chéri? Je dois lui montrer quelque chose là-bas en haut. T'en fais pas, ça va pas être long. Pas de problème. Ah bébé, allons-y. J'arrive. Père, est-ce que je peux te parler? Qu'est-ce qu'il y a? Père, je ne pense pas que je pourrais participer à la cérémonie. Pourquoi? Est-ce que cela fait un problème? J'ai eu tout à coup une migraine et ça fait vraiment mal. Au final, si tu ne te sens pas bien, alors va à la maison te reposer. Ok, maman, merci, maman. Je pars avec ton père. Rassure-toi de bien prendre soin de toi-même. Merci, maman. Amusez-vous bien. Où est ton frère? Il est allé en haut avec ta sœur. Oh, ça tombe bien alors. Je pensais que tu allais avec tes parents. Oui, j'allais bien. Mais je préférais rester pour avoir un mot avec toi. Je ne comprends pas. Quand je t'ai vu, tu sais, j'étais captivé par ta beauté. Alors, je devais fuir la cérémonie juste pour avoir un mot avec toi. Vraiment? Oui. En effet, j'ai quelque chose à te dire. Mais la chose en question pourrait paraître un peu drôle. Oh, allez, j'aime des choses drôles. D'accord. Ça, c'est vraiment drôle. En fait, je t'ai compris. Je comprends tes émotions. Alors, c'est tout ce que tu as à dire? Ok. Alors, je peux conclure que ce que tu as pu dire indirectement, c'est oui. Hey! Hey!
Adaré, saisis-toi. Adaré, saisis-toi. Adaré, c'est fini. Vous m'avez tapé. Vous m'avez tapé. Pas de problème. C'est ce qu'on va voir. Ça ne va rien faire, c'est ce qu'on va voir. Ça ne va rien faire. Lève-toi s'il te plaît. Oh mon Dieu. Maman, nous n'avons fait aucun accident. Oh. Alors, pourquoi il y a des plaies sur ton visage et sur le visage de ta femme? Maman! C'est quoi le problème? Maman! C'est quoi le problème? Maman! Oui, ma et ses amis nous ont tapés. Voyez, maman, c'est lui, c'est lui. Onyema et sa bande. On fait quoi? Hey! Maman, ils ont violé Adobe. Tu as dit violé? Oui. Je suis fini. Pourquoi tu as dit violé? Ils t'ont violé, mais ils essayaient de violer. Ils étaient trois. Ils m'ont violé. Ils m'ont violé, oui. Trois. Trois, maman. Je veux savoir ça. Oh mon Dieu. Ces garçons t'ont violé. Maman, maman, j'ai essayé d'intervenir. Maman, ils m'ont tabassé sans merci. Maman, ils m'ont tabassé sans merci. C'est pas vrai. C'est pas ça. Oui, maman. Maman, maman, pardon, pardon. Je t'en prie, mais là, je suis le docteur, pardon. Maman, ils se sont vraiment occupés d'elle. Je vais récupérer. Oh mon Dieu, hey. 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 C'est fini. Allons-y. Hey. Désolé, désolé. Ces garçons sont vraiment heureux. Je vais les récompenser. On va les dire au revoir. Je vous ai tous convoqués aujourd'hui ici que Ulloma a quelque chose à nous dire. Igwe, Ulloma, tu as la parole. Igwe, mes anciens, je vous salue. Merci, ma chère. Merci. Ce sont mes enfants, aussi Tadema et Adobe. En rentrant de la maison hier, Ostadoma était blessé. Adobe saignait. Quand j'ai demandé, Adobe a dit, Onyema, les fils de Tioyana et sa bande l'ont violé. Quand son frère a voulu intervenir, ils se sont jetés sur lui. Ils l'ont battu. Non, femme, tu mens. Hé, hey, Igwe, cette femme est vraiment une menteuse. Mais pourquoi ces fausses accusations sur mon fils? Mon fils ne peut pas faire une telle chose. Dis la vérité et fais la honte du diable. Tioyana. Igwe. Est-ce que tu étais là? Igwe. Est-ce que tu étais là? Igwe, Assieds-toi. Assieds-toi. Tioyana, comment sais-tu que ton fils est innocent? Est-ce que tu marches dans toute la communauté avec lui? Tu le fais? Tioyana. Onowu, n'essaye pas de défendre ton fils. Parce que je suis fatigué de son comportement. Juste l'autre fois, Mazokichu est venu se plaindre chez moi, très brutalement. Comment ton fils est si présent, a volé sa chèvre. Moi, oui, moi, toi Onyema. Ah, non, non, ce n'est pas vrai. Hein? Je n'ai jamais volé de toute ma vie. Je ne connais même pas la direction de sa maison. Alors comment je vais voler sa chèvre? Vas-tu la fermer, Onyema? Ferme ta bouche. Je veux dire, vas-tu la fermer là-bas? Ah,
Je me demande pourquoi tu es en train de l'intimider. Pourquoi tu es en train de l'intimider. Regarde ce qu'il porte dans ses oreilles. Onyema, je veux que tu me dises la vérité. La mère d'Adaobi a déclaré que toi et ta bande avez violé sa fille. Et vous avez tapé son fils. Est-ce que c'est vrai? Igwe, votre majesté, je vais vous dire ce qui s'est passé. J'ai bâti Austin Demba parce que nous avions un problème dans le passé. Et c'était juste une façon de régler les comptes. Votre majesté, en ce qui concerne Adaobi, votre majesté, je n'ai pas violé Adaobi. Hey! Onyema, tu es un menteur. Tu es vraiment un menteur. Sans force. Oui, Igwe, quand je les ai rencontrés, j'ai vu ces stupides sur ma sœur. Oui. J'ai essayé d'intervenir et ils m'ont tapé sans merci. Oyana. Igwe, lève-toi. J'ai entendu ton fils. Et j'ai aussi écouté Austin de même. Ton fils et sa bande sentent la pauvre imitation des êtres humains. Regarde très bien ton fils. Il n'y a même pas de moyen qui fasse qu'il soit passé comme un enfant qui a été bien élevé. Non. Il porte même des boucles d'oreilles. S'il partait hors de la ville, il serait arrêté comme un kidnappeur de même que ses amis. Et tu veux te tenir devant moi pour prendre la défense de ton fils que toi, tu n'as pas très bien élevé. Tu ne l'as pas élevé comme un bon citoyen. Ce que tu as reçu de faire de ton fils, c'est une malédiction dans l'environnement. Et j'ai honte de toi. Je vais rendre mon verdict dans les 2 jours qui vont suivre. Onyema, papa, nous devons dire la vérité. Je sais que toi et tes amis, vous l'avez violé. Je te connais, tu es mon fils. Hein? Papa, papa, la vérité est que je le fais. Mais je suis désolé. Papa, cette fille est très arrogante et très impolie. L'autre fois, je l'ai touchée, elle m'a ignoré et elle s'est enfuie comme si j'étais un fou. Qui pense-t-elle être? Attends, elle t'avait ignoré. Oui, papa, elle l'a fait. Elle m'a ignoré. Écoute, écoute, tu ne dois pas être désolé. La seule chose que j'ai déploré est que tu l'as violé, toi et tes amis. Écoute, je vais te donner un conseil. La prochaine fois que tu vas violer une fille, violer une princesse ou quelqu'un de la famille royale, je vais mourir dans ce royaume ou ailleurs. Arrête de violer de filles de famille pauvre. Viole une princesse pour que s'il y a quelque chose qui arrive, nous pourrons alors entrer dans une famille royale. Hein? Papa? Papa, c'est maintenant que je sais que tu m'aimes. Que penses-tu? C'est sûr que j'avais peur. Pourquoi? Peur de quoi? Peur de quoi? Devant le roi, papa. Papa, tu ne dois pas l'être. Hein? Papa. Femme comme ça. Mon papa. Igwe. Honnêtement, je ne suis pas content de la façon dont tu as délibéré les cas des Ulloma. Parce que tout le monde dans notre communauté d'Agweno sait que Onyema et ses amis ont en effet violé cette fille. Ils l'ont violée. Ono, je voudrais que nous puissions être clairs. Tout ce qui affecte la femme de mon frère m'affecte indirectement. J'espère que tu le sais. Exactement, Igwe. Nous sommes sur la même page. C'est la raison pour laquelle je dis, Onyema ne devait pas rentrer à la maison libre. Parce que tout le monde sait que il est coupable de cette offense et qu'il doit être sévèrement puni pour ce qu'il a fait. J'apprécie que tu t'en concernes, Ono. Mais je veux que tu me fasses une faveur. Permets-moi de régler ces problèmes de ma façon. Merci beaucoup, Ono. Tu peux rentrer chez toi. Merci, Igwe. Thank you.
prince Iken Ono. Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi, mon fils. Comment tu vas? Je vais bien. Je te présente ma fiancée, princesse Eoma du royaume de Makala. Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi, ma princesse. Hé, hey, tu es la bienvenue au royaume d'Agweno. Merci, monsieur. Ici, nous sommes de très bonnes personnes. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Iken Onou, elle est belle. Bien sûr, Onou, tu sais que c'est moi. Très bien, ça c'est bien. Ta chère, sois la bienvenue au royaume d'Agweno. Merci, monsieur. Et tu es vraiment un homme. Onou, j'ai apprécié. Merci beaucoup, mon prince. Je dois partir maintenant. D'accord, ok? Oui, monsieur. Sois la bienvenue. Merci, monsieur. Hi. Iken Onou, je te souhaite une très bonne journée. Nous le sommes tous. C'est juste question de temps. Aussitôt qu'elle arrêtera de pleurer son mari, alors elle peut refaire ses business. Ok. Mais elle fera comment avec ses affaires? Et dans tous les cas, elle doit penser à sa petite fille, non? N'est-ce pas? J'ai pitié d'elle. Que dois-je faire? Couvre d'abord ta tête, non? Chinedu, ça signifie quoi tout ça, hein? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu étais en train de dormir et il y avait des moustiques qui étaient en train de te piquer. Maintenant, ces moustiques étaient... j'étais en train de chasser les moustiques. Tu étais en train de chasser les moustiques après ça, mes seins. La ferme. Est-ce un crime si je touche ton sein? Non, dis-moi, Mirima, est-ce un crime pour moi de toucher ton sein? Hein? Regarde-moi ça, oh. Est-ce que je suis sous un embargo qui va m'empêcher d'aller vers ce qui m'appartient? Ou ne sais-tu pas que tu es ma propriété maintenant? Laisse-moi te dire, ta fille a déjà grandi, oh. Et le temps est venu de chercher des autres enfants, oui. Est-ce que tu as oublié la tradition du royaume d'Agweno? Chinedu, quelque chose ne doit pas aller dans ta tête. Donc tu n'as plus de respect pour ton grand frère, mon défunt mari? Ton défunt mari? Il est parti, non? Je suis maintenant ton mari vivant, c'est moi qui le suis. Sans effet. Je suis maintenant en charge de ton corps. Mirima, je dois avoir cette chose, cette nuit, que tu le veuilles ou pas. Chinedu, je suis en train de te prévenir. C'est un vampire. Elle a des dents tranchantes, oh. Cette fille a des dents vraiment tranchantes. Elle a failli m'arracher les bras. Aïe. Ah. Ok. Mirima, tu veux jouer le jeu de la gorille dans cette maison avec moi, hein? Ok. Je vais te dire que dans cette maison, je suis le chimpanzé et que je finirai par avoir ce que je veux.
Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Nous sommes envoyés par le roi pour te déposer quelque chose. S'il vous plaît, où est-ce qu'on peut mettre ça? Mettez ça là, ça va aller. Ok. Merci. Madame, le roi a dit que nous devrions vous remettre ça. Merci. Merci beaucoup. S'il vous plaît, dites au roi que je suis vraiment ravie. Merci. Merci beaucoup, ma. Ma, juste vous dire que nous sommes déjà partants. Ah, ok. Au revoir. D'accord. Merci. Au revoir. Au revoir. Bye, merci. Mirima, accepte ce petit geste pour la mort de ton mari. La mort est une destinée tragique pour l'être humain. Sois forte. Je désire faire de toi ma reine et prendre la responsabilité d'élever ton enfant. Entre-temps, utilise cet argent pour tes petits besoins immédiats. Igwe Ikofo Beke, c'est bel et bien moi. Bienvenue, Nedou. Nedou, je suis en train de te saluer, oh. Alors, Nedou ne veut plus répondre à mes salutations à cause de ce qui s'est passé la nuit dernière. C'est aussi mieux. Qu'est-ce qui va te parler?
quelqu'un? Mirim, je viens. Ok. Hey, chica. Hein? Comment tu vas? Bienvenue. Bien haut. Je suis passée savoir comment tu allais. Eh, hey, merci, je vais bien. Et... j'ai quelque chose à te dire. Quelque chose à me dire? Qu'est-ce que tu veux me dire? Pardon, hein? Aide-moi pour apporter ma fille. Je dois te montrer quelque chose, je reviens. Eh, hey, hey, ok, oh. Ok. Eh, hey, tu vas bien, oh. Dieu merci. C'est ça. Attends une minute, Mirim. Est-ce que cette lettre ne vient pas de notre Igwe? Oui, l'un de ses gardes l'a apporté hier. Ce n'était pas tout, il y avait Sami Naira et quelques provisions. Mirim, tu sais que tu es ma meilleure amie. Je ne peux pas te décevoir. Hein? Ce qui est vrai dans cette lettre est que le Igwe fera tout pour toi et pour ta fille. Et ma chère, de ce que j'ai entendu, le Igwe n'est pas facile. Alors, je crois que tu dois l'épouser. Ça, c'est ce que je te conseille. Alors, ta fille aura une bonne éducation. Oui, épouse les Igwe. Peut-être c'est Dieu qui veut t'aider. Ah ah, chica. Tu veux m'encourager d'épouser le roi? Ah ah, oui, non. Épouse le roi. Tu ne veux pas que ta fille ait une bonne éducation? Hein? Et tu penses que c'est vraiment facile que notre Igwe t'ait proposé? Réveille-toi, hein? Regarde, si tu enlèves tous ces trucs que tu portes, va lui dire oui et épouse Léo. Ou tu veux rester seul ici avec les petits frères de ton défunt mari? C'est vaurien qui ne connaît même pas ses droits. Hein? C'est ce que tu veux? Saisis ta chance, ouvre tes yeux, saisis ta chance. Hé, hey, donc c'est moi que cette fille est en train de traiter un homme de peu de valeur. Hé, hey. Mais quelle lourde insulte à ma personne. Moi. Tu as raison à ce point. Mais je dois vraiment penser à ça. Tu n'auras même pas pensé à ça. Ça ne peut pas se faire dans cette maison. Tu ne peux penser à aucune chose, jamais. Tu vois les Igwe? Igwe ne peut pas te ravir d'entre mes mains. Les Igwe et la totalité de sa royauté ne peuvent pas te ravir d'entre mes mains, jamais. Tu es ma possession et mon héritage. Ah ah! Les traditions du royaume d'Agwenou me donnent ses droits. Hein? Mirim, on ne joue pas avec la tradition. On ne joue pas avec la tradition. En ce qui te concerne, toi, toi sorcière, toi sorcière, hein? Donc, c'est dans quoi tu trouves la joie? C'est boire le médicament de la maladie d'une autre personne. Tout ce que tu sais faire à longueur de journée, c'est de commérer d'une maison à une autre. Hein? Donc, tu penses que tu peux venir dans cette maison pour la conseiller ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle a sollicité ton conseil? Si je rentre ici dans les 2 minutes qui viennent et te vois ici, tu vas regretter pourquoi tu as mis tes pieds dans cette parcelle. Tout ce que tu sais faire, c'est de raconter des ragots. Alors ça, c'est ce que tu veux? C'est faire insulter par n'importe qui. Réveille-toi, oh! Il n'y a pas de temps. Hein? Donc, hey, tu es encore là? Tu n'es encore là? Hein? Tu n'es encore là? Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi, non? Mais pourquoi tu fais ça, mon ami? Tu n'es d'où qu'est-ce... Maintenant, écoute. Donc, tu peux écouter les autres conseils, mais tu ne veux pas écouter mes conseils? Hein? Tu es ma possession. Et tu dois te soumettre à moi. Quel que soit ce que ça va demander, je dois entrer dans ce corps. Et laisse-moi te rassurer. N'importe quoi.
wadeku leye madu ne me madi beya o wadenja ye wane ne me wane ya o leye madu ne monye ke ya o wadeku wadeku ne wajaka. Man sends humanity to man. Is the other. Hey Mirima, tu m'as surprise avec cette visite matinale, oh. Je suis venue te demander pardon pour ce que tu n'es d'où t'as fait hier. Je suis venue te demander une faveur. Oublie tu n'es d'où, hein? Parlons d'autre chose. Tu veux quelle faveur venant de moi? Pardon. Je veux que tu apportes cette lettre au palais et donne ça au Igwe. Et dis-lui que Chinedu, les frères de mon mari, est derrière mon cou. Et je suis confuse. Eh, Mirima, je t'en ai parlé. Tu n'as pas besoin d'être confuse. Oublie un peu Chinedu. C'est faisaire de bruit. Eh, je vais apporter ton message au Igwe après avoir pris un bain. Eh, t'inquiète pas. Merci beaucoup. Merci. Je t'en prie. Hein? Je rentre vite à la maison. Je vais préparer un truc à manger à ma fille avant qu'elle ne commence à pleurer. Vas-y, je vais te voir après, oh. Ouais, merci. Je te verrai après, ok. Wickedness and evil, hey, all hold sway. All because of greed and selfish need. Qui est là? C'est Chica. Je peux t'aider? Pardon, je veux voir les Igwe. Pourquoi? C'est personnel. Tu ne peux pas voir Igwe. Pardon, c'est entre la vie et la mort, hein? C'est vraiment très important. Va voir ces gardes-là. Merci. Où vas-tu? Je voudrais voir les Igwe. Pour quelle raison? C'est vraiment vraiment important, c'est vraiment vraiment urgent. Je veux voir les Igwe. Suis-moi. Man sends humanity to man. Is the other of the day. Votre Majesté, il y a une fille qui veut vous voir. Et son nom est Chika. Laisse-la entrer. Oui, mon roi. Igwe. Bonjour, mon roi. Oui, jeune fille. Que puis-je faire pour toi? Mon roi, mon ami Mirima m'a envoyé auprès de vous. Vous pouvez me laisser maintenant. Igwe. Mon roi, mon ami Mirima m'a envoyé de vous donner cette lettre. Merci beaucoup. Est-ce que le garde qui t'avait fait entrer ici a su que tu avais une enveloppe? Non, mon roi. Est-ce qu'une autre personne sait que tu l'as emmené ici? Non, pas du tout, mon roi. D'accord. Mon roi, mon ami Mirima m'a demandé de vous dire que Chinedu, le petit frère de son mari, est en train de la déranger sérieusement. En quoi est-ce qu'il la dérange? Par rapport à ce que Mirima m'a dit, elle a dit que Chinedu la dérange toutes les nuits, voulant dormir avec elle et elle est fatiguée de cette vie. D'accord, dis-lui que j'ai entendu ce qu'elle a dit. Et je lui donne ma parole que je vais régler ses problèmes. Merci, mon roi. Longue vie à vous. Merci beaucoup. Je vous salue, mon roi. J'avais compris le sens de la lettre que vous m'aviez envoyée. Mais je suis confuse à cause de nos traductions. Le petit frère de mon défunt mari, il est déjà derrière mon dos. Et je ne sais pas vraiment quoi faire. Merci beaucoup. Mirima Okwama. Wickedness and evil, hey, all hold sway. All because of greed and selfish need.
that leads to evil deeds. Lay a madam, name a maddy bea. What in jail one name one nail? You are chocolate. Lay a madam, name on yankee. Oh, what dear poor? Oh, what dear poor? You are chocolate. Lay a madam, name a maddy bea. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour. Ma Igo nous a demandé de vous donner ça. Merci. Madame, où se trouve le petit frère de votre mari? Il est derrière la maison. Oh, il est derrière. Wickedness and evil, hey, all hold sway, all because of greed and selfish needs. Tinedo, le roi a dit que tu dois venir avec nous au palais maintenant. Est-ce que tout va bien? Ne pose pas de questions. Tu sauras tout quand nous serons au palais. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de brosser mes dents. Ok, attendez, je vais me changer. Désolé, Tinedo, nous n'avons pas ce temps-là. Tu vas juste venir avec nous. Merci. Bouge. Hey. Man's inhumanity to man is the order of the day. Wickedness and evil, hey, all hold sway, all because of greed and selfish needs that leads to evil deeds. Lay a madam, name a maddy bea. Lay a madam, name on yankee. Est-ce que ça veut dire que le roi veut le voir? Man's inhumanity to man is the order of the day. Wickedness and evil, hey, all hold sway, all because of greed and selfish needs that leads to evil deeds. Lay a madam, name a maddy bea. Lay a madam, name on yankee. Lay a madam, name a maddy bea. Le roi est vraiment sérieux à propos de ça. Il est vraiment sérieux à propos de ça. Man's inhumanity to man. Mon roi, ça c'est Tinedo, celui que vous voulez voir. Merci, vous pouvez disposer maintenant. Igwe, je vous salue. Donc c'est toi le Tinedo. Oui, c'est moi. Donc c'est toi qui es en train de déranger Mirima, une veuve. Faisons le deuil de son mari. Faisons le deuil de ton propre frère, son défunt mari. Et tu n'as même pas de conscience. Quel genre d'être humain es-tu? Qu'est-ce que tu as? Es-tu devenu un bouc? Pourquoi déranges-tu cette femme? Je te demande. Igwe, mais j'essayais juste de prendre ce qui me revenait de droit. Hey! Tu as dit ce qui te revient de droit. Tu as dit ce qui te revient de droit. Allez, agenouille-toi. Mets-toi sur tes genoux avant que je te décapite. Ce qui te revient de droit. Je te demande encore, n'as-tu pas de conscience? Quel genre d'être humain es-tu?
C'est presque chaque nuit que tu vas dans la chambre de cette femme. Cependant, elle est en train de faire le deuil de son mari. Chinedu, maintenant écoute-moi. Au lieu de déranger cette femme chaque nuit, renvoie-la chez ses parents. Est-ce que tu m'as entendu? M'as-tu entendu? Igwe, mais c'est mon héritage. Mais pardon, je suis désolé. Je vais te laisser rentrer cette fois. Mais écoute-moi, si je reçois un rapport encore que tu as dérangé encore cette femme, je vais te montrer pourquoi on m'appelle le lion invisible de la forêt. Sors de cette pièce. Sors de cette pièce. Igwe, désolé. Pardon, Igwe. Hé, regarde-moi ça. Jamais, ça ne peut pas se faire. Ça ne va pas se faire comme ça. Jamais. Hé, hey, mon Chinedu. Hé, hey, n'est pas jour de mille, maman. Mirima. Mirima. Où que tu te trouves dans cette maison, juste sors ici. Sors maintenant. Tu quittes cette maison immédiatement. Rentre chez vous. Chinedu, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas entendu? Je dis, tu quittes cette maison immédiatement. Prends tes affaires, sors de chez moi. Chinedu, dis-moi, qu'est-ce que j'ai encore fait? Quel mal ai-je encore fait? Tu me poses cette question. Tu es une très méchante femme. Tu as eu l'audace d'aller m'accuser chez Igwe que je venais dans ta chambre pour te déranger chaque nuit. Mais tu n'as pas voulu lui dire que tu as refusé d'ouvrir, je veux dire, soumettre. Je veux dire, tu as refusé de te soumettre et de te donner à moi. Je veux que tu mettes ceci dans ton caboche. Je ne suis plus intéressé à quoi que ce soit qui a à voir avec l'héritage. Je veux dire, je n'en veux plus de cet héritage. Emballe tes affaires et sors de ma maison. Je ne peux pas me demander de partir de la maison de mon mari. Mais c'est ce qu'on va voir. Comment peux-tu me demander de quitter la maison de mon mari? Pour aller où? Tu crois que je blague? Tu quittes cette maison. Chinedu, pars d'ici. Chinedu, pardon, non, tu ne peux pas faire ça. Tu quittes cette maison. Mirima, mais où est-ce que tu vas avec tes valises comme ça? Où vas-tu comme ça avec tes valises? Et pourquoi tu es en train de pleurer? Les petits frères de mon défunt mari, ils ont jeté mes histoires hors de la maison. C'est parce que je me suis plainte chez les Igwe qu'il est en train de me déranger chaque nuit. Hein? Voyez voir les beaux frères d'aujourd'hui. Et où vas-tu exactement comme ça? Je rentre au royaume des Omopala et dire à ma famille tout ce qui s'est passé. Chinedu, tu ne sais pas ce que tu viens de faire. Hein? Chinedu, tu as croqué plus que ce que tu peux en mâcher. Ma chère,
ne t'en fais pas. Sèche tes larmes. Hein? Je vais apporter ce problème devant Igwe. Je pense que je dois aller au palais maintenant. On va voir ce qui va se passer. Hé, hey, tu n'es d'où? Igofodike Neni, le plus grand roi de tous les temps. Igofobikeo. Oui, Anna, tu es là. Odogu, Odogu, Odogu. Je suis content de te voir. Hey! Igwe. Il y a de l'électricité en l'air. Il y a un problème. C'est quoi le problème? Hey! Igwe. Quand je suis en train de rentrer de... De Omomo, voilà. Ça, c'est ma terre maternelle. Je sais. J'ai rencontré Mirima avec ses bagages et sa petite fille en train de pleurer pendant qu'elle marchait en cours de route. Igwe, quand je voulais savoir, elle m'a dit que Chinedu, son beau-frère, l'a chassé de la maison. Quoi? Je ne peux pas croire ça. Regarde, mais Chinedu sait qu'elle est en train de faire le deuil de son mari. Oh! Et c'est contre nos us et coutumes. Pourquoi dois-tu le faire ça? Mais qu'est-ce qu'il attend de cette femme? Rentrer chez ses parents? Il a vraiment dépassé les limites. Ça, c'est une abomination. Oh. Ça, c'est une abomination. Ça, c'est une abomination. Qu'est-ce qui ne va pas avec Chinedo? C'est pas grave. Il a commis le pire. Moi, Igofobike, je suis plus malin que lui. Je ferai piquer ce qu'il a fait. Ça, c'est bien. Je vais le faire. Igofobike, Odogu. Je balayerai la surface. Odogu, Malama, Nima, Bolini, Bambo. Igofobike, DJ Dalo. Nona, Nabia, Katele, Nemano. Kabwa, Kafiti, Nendi, Menemano. Je suis là. Takonya, Lani, Nendi, Fuma, Boku. Odjilo, Gouya. Odjilo, Bouliya. Mouyana qui est juste qui toi, qu'on lui devait manquer de quoi là. Ouais. Igwe. Quand est-ce que tu vas la prendre pour toi? Toyana, mon cher. Les gens de chez nous disent que la curiosité tue les chats. Tu veux connaître toutes choses. J'espère que tu as compris. Il y a deux choses que seul le temps doit révéler. Hein? Donc tu veux connaître quand est-ce que je vais la prendre pour moi. Ce n'est plus pour longtemps. Igwe, c'est toi le lion qui feinte par son silence. Et quoi, mais c'est toi le meilleur roi qui n'a jamais existé dans notre communauté. Longue vie à toi, mon roi. Qui est comme toi, mon roi, oh, tu es sans pareil. Igwe, Igwe Kememi, Igofobike, Odogu, 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 Igwe, je suis déjà partant. Mes salutations à ta famille. Ebou, tu as entendu ce que Igwe a écrit à Mirima? Non, qu'est-ce qu'il y a? Donc, tu n'as pas entendu que Igwe a proposé Mirima? Quel Mirima? Celle qui a perdu son mari mystérieusement. Ifi, où est-ce que tu as entendu ça? Tu connais Chika, mon amie. Elle est l'amie intime de Mirima. Elle m'a tout raconté. Et Igwe même a appris que Chinedu, le grand frère de son mari, est en train de s'opposer à la décision de Igwe. Parce qu'il est aussi intéressé à Mirima. Mais attends, Ifi. Es-tu sûr de ce que tu es en train de dire? Hey! Tu me demandes si je suis sûr de ce que je suis en train de dire. Je ne sais même pas quoi te dire. Je suis censé avoir toutes les informations. Tu sais, maintenant que je te parle là, Mirima est chez ses parents au royaume de Umapala. Mais elle était censée être dans ce royaume pour faire le deuil de son mari. Chinedu l'a chassé parce qu'elle a refusé de coucher avec lui. C'est bizarre, oh. Mais attends, Ifi. Tu dois arrêter avec cette attitude. Okonanya, oh.
tu dois arrêter de te mêler dans les affaires d'autrui. Un jour, ça t'amènera des problèmes. Arrête avec cette attitude. Hé, hey, allez, partons. Hé, hey, viens ici, Iboué. Écoute, ce n'est pas de ta faute. Ah ah. Regarde, c'est de ma faute de t'avoir donné une information aussi gratuitement. N'importe quoi. Mes anciens, c'est ce que ma fille m'a dit hier quand elle était revenue avec sa fille. Et j'étais sûre de vous appeler. Assieds-toi. Mirima, tu veux dire que le petit frère de ton mari t'a chassé parce que tu ne lui as pas permis de coucher avec toi. Cependant que tu continues les dates de ton mari. Oui, Naï. Abomination. Donc, il ne savait pas que coucher avec une femme qui est en train de faire le deuil de son mari est un sacrilège? Mirima, tu ne vas plus rentrer dans ce village encore. Tu vas rester ici. Je suis de même avis que toi, Itié. Mirima va rester ici. D'ailleurs, elle est très jeune et très belle pour devenir la femme de cet idiot de Tchinedo. Nous allons retourner la dot qu'ils ont payée sur la tête de notre fille. C'est ce qu'on va faire. Mais, Itché, qu'est-ce que nous allons faire de cet enfant? Tu sais qu'elle ne nous appartient pas. Oui, je le sais. Ils vont venir la prendre quand elle sera avancée en âge. Ou elle pourra rentrer chez eux quand elle sera prête à connaître la famille de son père. Merci, mes anciens. Merci, je savais qu'on allait être capable d'aborder ces sujets. J'ai vraiment apprécié, Dalo. Tu n'as pas à nous remercier. Après tout, Mirima est notre fille. Nous ne pouvons pas croiser les bras et la laisser être humiliée. Femme. Mon roi. Rentre dans ta chambre. J'ai beaucoup de choses qui me dérangent cette nuit. Je veux être seul, j'ai besoin de réfléchir. Et dans cette humeur, je ne pense pas que j'ai besoin de distraction. Rentre dans ta chambre. Mon roi, rester ici dormir ne t'empêcherait pas de réfléchir. Je crois voir parler. Merci ma chère, tu l'as bienvenue. Vous m'avez appelé. Bien sûr que oui, s'il te plaît, prends place. Merci mon roi. Il y a une chose que je voudrais discuter avec toi. C'est quoi mon roi? Je pense prendre une seconde femme. Vraiment? Oui. Il y a cette veuve, Mirima. Je l'admire. Et je veux la prendre comme ma seconde femme. Monseigneur, je sais que la tradition te permet d'épouser autant de femmes que tu voudras. Mais je ne sais pas ce que tu veux chercher dans le mariage. Tu as déjà les enfants. Des enfants qui ont déjà grandi pour que tu entres encore dans ces choses. Mon roi, je ne suis pas vraiment confortable avec ce que tu veux faire. Je ne t'en ai pas parlé pour connaître quelle serait ton opinion. Je crois avoir fini. Tu peux partir maintenant. Merci, Sa Majesté. Sa Majesté.
Odieu-moi. Mère, tu m'as fait peur. Laisse-nous. As-tu discuté quelque chose avec ton père? Non. C'est quoi le problème? Tu es inquiète. Je suis inquiète. Ton père veut épouser une autre femme. Une autre femme? Mais qu'est-ce qu'il veut faire avec une deuxième femme? Je ne sais pas. Et d'abord, où est ton frère Eken? Il est sorti il y a quelques minutes. Ok, bien. Chinedu, regarde. Ce que tu as fait à notre fille est une très grande insulte à notre égard. Regarde, le mariage, ce n'est pas par force. Ce n'est pas par force. Par conséquent, nous, le responsable de la famille de Mirima, nous sommes venus remettre la dot que ton défunt grand frère avait payée sur sa tête. Tu m'as entendu? Vous êtes les bienvenus. Chinedu, qui est notre frère qui est ici, nous avait raconté ce qui s'était passé entre lui et notre femme. Je ne suis aucunement en train de dire que ce que Chinedu avait fait était bien. Mais traditionnellement, nous devons savoir que tout ce que son défunt frère a laissé derrière lui doit être automatiquement hérité par lui. Non. Mais je veux savoir ce que vous voulez dire quand vous dites que Chinedu vous avez insulté en premier lieu. Nous ne sommes pas ici pour traiter ce problème. Nous sommes venus ici pour retourner la dot. Un point près. Pour retourner votre dot. Et c'est ça. Et cette enveloppe que nous vous retournons aujourd'hui signifie que le mariage entre Mirima et cette famille est terminé. Oui. Pardon. Et quelle est l'histoire de notre fille? Que devient notre relation avec vous finalement? Hein? Elle va revenir ici chez vous quand elle en aura l'âge. Mais si vous avez besoin d'elle en urgence, nous pouvons aller la prendre immédiatement. Ici, la Mecca. Hein? Allons-nous-en. Belle famille, pardon, attendez. Attendez, nous n'arrivons pas là, s'il vous plaît. Je vous en conjure, s'il vous plaît. Nous pouvons régler ces problèmes à l'amiable. Ike, Igogo, s'il te plaît, approche-toi un peu. Chinedu, est-ce que tu as vu comment notre belle famille nous a laissé tomber comme ça? Et ça veut dire quoi tout ça? Hein? Dis-moi, je veux savoir. Uche. Je suis content de la façon dont ils sont partis. Nous devrions permettre à Mirima de rester dans la maison de son père. C'est mieux. C'est mieux comme ça. C'est mieux. Ikoku, qu'est-ce que tu peux dire à propos de ça? Je pense. Qu'est-ce que tu veux que Ikoku dise? Hein? Ce n'est pas un membre de cette famille. Ichie, nous avons du vin de palme ici. De bonne qualité. Et du whisky. Allons à l'intérieur et... nous rafraîchir un peu. Où est-ce que tu insistes? Ichie. Ichie. Allons-y, allons-y, allons-y. C'est pour cette famille. Je sais, quand nous serons à l'intérieur, nous allons ouvrir. Ok. Montre un peu, c'est combien? Allons à l'intérieur, ça ne va pas s'envoler. Hein? Ichie. Allons-y. Allô, Ekudele, comment tu vas? Je vais bien, maman. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu peux revenir ici au village demain matin? Y a-t-il un problème? Mère, t'as l'air inquiète. Ton père veut épouser une deuxième femme et il est tellement sérieux à propos de ça. Vraiment? Oui. Je sais que la tradition lui permet d'épouser beaucoup de femmes. Je veux que tu reviennes ici pour que tu parles avec lui. Je veux aussi parler avec ton frère Ikena. Je veux le supplier de parler avec lui. Ça va aller, maman. Juste relax. Je ferai un effort de venir demain matin pour voir père. Ok. Je t'attendrai demain. D'accord, maman. Bye. Bonne nuit.
Oui, entre. Je vous salue, père. Je te salue, mon fils. Je te salue. Papa, je suis vraiment content pour la décision que tu as prise de prendre une seconde femme. Et je suis aussi tout à fait d'accord avec vous. Seul un idiot va refuser une décision d'une telle ampleur. Père, vous êtes le roi. Et vous êtes aussi appelé à prendre deux femmes comme vous le voudrez. Merci beaucoup, mon fils. Assieds-toi. Merci, père. Je l'ai toujours su que automatiquement tu seras toujours de mon côté. C'est une chose simple. Et de tous mes enfants, tu es la seule personne qui voit les choses comme moi. Mais aussi qui a mon caractère. Ce qui fait la force d'un homme. Premièrement, tu as du courage, de la conviction. Mais aussi tu as la fixité dans ton raisonnement. Et c'est cette unique combinaison de choses qui fait que tu sois différent des autres. Et fais-toi un homme. Regrettablement, ton frère préfère s'identifier aux femmes qui, congénitalement, non seulement ont des esprits faibles, mais aussi ont des problèmes de réflexion et ne peuvent pas penser sérieusement. Mais il a décidé de prendre sa propre ligne. Bien. Et pour avoir choisi de voir les choses de la même façon que moi, la bonne chance sera avec toi. La bonne chance va te protéger dans tout ce que tu feras. Amen. Je te bénis, mon fils. Tu iras de gloire en gloire. J'apprécie, papa. Merci, mon fils. Igwe. Vous pouvez reprendre vos places. Merci, Igwe. Merci, Igwe. Je vous ai rassemblés tous aujourd'hui parce que j'ai un communiqué très excitant à vous donner. Je pense avoir une seconde femme. Igwe! Hey! Igwe, ça c'est une très sage décision. Je l'attendais depuis très 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 longtemps. Igwe, félicitations. Parce que la plupart des rois des royaumes environnants ont tous presque plus d'une femme. Vous pouvez prendre une, deux, trois, quatre, ou allez jusqu'où vous voulez, parce que la tradition vous le permet. Igwe, je supporte ce que Idioka vient juste de dire. Si on regarde la parcelle, c'est vraiment trop solette. Nous avons besoin de enfants qui vont commencer à courir dans cette parcelle. Prenez le nombre de femmes que vous voulez, nous sommes derrière vous. Merci, Igwe. Vous venez de prendre une très bonne idée. Vous avez déjà des gens qui vont vous succéder. Igwe, vous avez toujours besoin d'enfants? Etiona, s'il te plaît, assieds-toi. Juste assieds-toi. Assieds-toi. Etiona, est-ce que tu réfléchis avant de faire sortir de moi? Igwe est le leader de cette communauté. Et il a le plein droit d'épouser le nombre de femmes qu'il le veut. Mais je ne te comprends pas. Je ne sais pas. C'est quoi ton problème? Regardez ça. Hein? Hein? Igwe, ne faites aucun cas à lui. Igwe, nous voulons connaître qui est bien cette femme. Mais qui est-elle? C'est cette question que j'attendais. D'accord. Je vais mettre fin au suspense. Elle s'appelle Mirima Lobido. Vraiment, c'est ça. Oui. Igwe, j'aurais une question à poser. La Mirima dont vous avez parlé, je sais qu'elle continue à faire le deuil de son mari.
Igwe, pensez-vous l'épouser maintenant ou jusqu'à ce qu'elle va finir le deuil de son mari? Parce que si vous l'épousez maintenant, les gens des environs vont penser que vous êtes à la base de la mort de son mari. Je ne crois pas cet homme. Itioma, s'il te plaît, pour l'amour du ciel, mets-toi assis. Assieds-toi, s'il te plaît. Mon ami, assieds-toi. Hein? La police est déjà en train de faire l'investigation de ce problème. Et nous savons tout ce qui est Tunedo, son frère. Et à la base de sa mort. Parce que c'est lui l'homme qui, chaque nuit, cherchait à sortir avec sa femme. Écoutez, écoutez. De toutes les indications, il est aussi clair à tous les membres de cette communauté que Tunedo, c'est ce qui est arrivé à son frère. Je ne sais pas pourquoi on doit revenir sur ce problème. Itché Ouyana, tu as vraiment raison. Merci, mon ami. Puisque Mirima est la raison pour laquelle Tunedo a tué son propre grand frère, alors les Igwe a la possibilité de l'épouser pour que le plan de Tunedo soit exposé à la lumière. C'est comme ça qu'on parle. Itcho Kafa, tu as vraiment bien parlé. Igwe, tu peux aller épouser cette femme. Nous sommes derrière toi. S'il ne veut pas qu'il laisse. Je vous ai tous entendus. Et je suis très content pour votre encouragement. Merci beaucoup. Igwe. Ndibon Kwen. Ya. Kwen. Ya. Ndibazu Kwen yo. Soyez le bienvenu encore. Les anciens du royaume d'Aguenou. Vous pouvez faire comme je veux. Merci pour l'accueil. Merci beaucoup. Comme vous pouvez le voir, le roi n'est pas venu avec nous parce que la tradition lui empêche d'agir ainsi. Mais nous, le membre de sa cabinet, nous sommes venus ici de sa part pour payer la dot de Mirima. Parce que les gens de chez nous disent une guerre bien préparée ne peut pas surprendre les guerriers qui l'ont préparée. Bon, très bien parlé, ça ne peut jamais se faire. Alors, voici les choses qui se trouvaient dans la liste que vous nous avez donnée. Et comme vous pouvez le voir, nous avons apporté même plus. Alors, une fois de plus, merci. Et merci beaucoup. Merci. Donc, Kwen. Kwen. Kozono. Bien. Je veux que vous sachiez ceci. Que notre fille est déjà habillée pour cette occasion. S'il vous plaît, donnez-moi quelques minutes. Que j'appelle la personne qui doit aller la prendre. C'est une très bonne idée. Ouais, allez la prendre, qu'elle vienne. Nous voulons la voir. Mon ami, tu peux aller la chercher. Vous êtes le bienvenu, hein? Vraiment. Merci d'être venu. Elle est là, la reine. Mon frère, je vous salue. Je vous salue. Je vous salue tous. Ma future reine. Nai. Regarde un peu derrière toi. Ce sont les choses que ta belle famille a apportées pour ta dot. Par rapport à la liste que nous leur avons donnée. Ils ont même apporté plus que nous leur avons demandé. Ma question maintenant est celle-ci. Devons-nous continuer à jouir de ça ou devons-nous le leur remettre pour qu'ils rentrent avec? Le ballon maintenant est dans ton camp. Naï, pardon, vas-y. Mad Hussein. Yeah. Bien. Yeah. Son. Yeah. Nguan. Tu peux regagner ta chambre. Pardon, j'allais oublier. Voici l'enveloppe de la dot pour notre belle reine. Laisse-moi voir. Laisse-moi voir. Ok, c'est bien. Ça, c'est très bien. Nous avons une nouvelle là. Nous avons maintenant deux reines. Debaïkwenu. Yeah. Kozwenu. Yeah. Kozono. Oh.
Ndoko Kwen. Ya. Kwen. Ya. Kozueno. Juste vous dire que ce que vous avez amené est complet. Les anciens, comme vous l'avez vu, tout s'est vraiment passé comme on s'était entendu. Alors vivons ensemble. Et pourquoi ne pas boire? Ane kweku. Nous allons maintenant présenter le membre de la famille qui nous a reçu ce soir dans 3, 2, 1. Mes gens, je vous salue. Oui. Je vous salue. Oui. Ma famille, je vous salue. Oui. Belle famille, je vous salue. Oui. Ma belle famille, je vous salue. Ma belle famille, je vous salue. Oui. Ma fille, lève-toi. Aujourd'hui est un grand jour dans le royaume des Omwakwala. Mais aussi le mariage traditionnel de Sa Majesté le Roi. Igwe Chenozofodike, premier du royaume d'Agwenu. Alors, je veux que notre fille, qui s'appelle Mirima, de venir présenter celui qui est le représentant de son mari. Parce que la tradition ne permet pas au roi d'être ici. Mais il a envoyé ses anciens, son cabinet, pour le représenter. Viens, ma fille, viens nous présenter ton mari. Mirima, ma fille, prends, montre-nous ton mari. Va nous montrer ton mari. I'm sorry.
Moi, Ite Oyana, je vais boire ça de la part de notre roi, qui est inévitablement absent. Ma fille, Mirima, ma fille, vous serez bénie dans tout ce que vous allez faire et des enfants, soyez épanouis et développés. Votre mariage sera un bonheur, je le déclare ainsi. Vous aurez des enfants mâles et vous aurez aussi des enfants femelles. Les gens viendront vous demander, mais vous n'irez pas demander aux gens. Les racines de Agueno et d'Omakwala seront vos racines de votre mariage. Vous ne connaîtrez pas le malheur. Je vous bénis. Vous vivrez longtemps. N'est-ce pas ça? Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Vous pouvez vous lever. I'm going to go to the hospital.
Salut ma chérie, comment tu vas? Je vais bien mon chéri. Tu me manques beaucoup et les choses que tu me dis aussi me manquent. Tu me manques plus mon amour. Je pensais même faire un tour avec toi demain, aller quelque part dans la cité. Un endroit qui sera confortable pour deux amoureux comme nous. Tu vois ce que je veux dire? Oh, ça sera vraiment bien. Je ne peux plus attendre. Ne t'en fais pas. Demain sera vraiment spectaculaire. Je te crois, chérie. D'accord. À demain. Bien, tu peux aller dormir, ok? Fais de beaux rêves. Fais de beaux rêves, mon chéri. Je veux que tu me vois dans tes rêves. Que tu me rêves aussi. Je vous ai tous appelés cet après-midi pour vous instruire de la façon à traiter la reine Mirima. Si on me donne le rapport qu'on avait vu, faire un travail pour lequel vous êtes ici, pour lequel vous êtes payé. Si j'apprends une telle chose dans mon traitement envers cette personne, est-ce que je me suis fait comprendre? Vous pouvez partir. Igwe, tu me traites comme si j'étais un bébé. Les choses que tu leur demandes de faire pour moi, honnêtement, je peux le faire moi-même. Tu paries oublier une chose. Tu es une reine maintenant, tu le sais. Et tu dois être traitée comme une reine. Parce que tu mérites mieux. Alors, assieds-toi. Merci, Igwe. Merci, ma reine.
Mon prince, vraiment, je m'amuse bien. J'en profite bien. Cette nourriture est vraiment délicieuse. Content que tu l'apprécies. Je veux dire, si tu regardes autour de toi, tu verras comment cet endroit est beau. C'est exactement combien tu es belle. Mon prince, tu es vraiment comique. Mais tu es aussi douce, toi aussi. Je vais vraiment être sérieux. Ma princesse, peux-tu m'accorder une faveur? Une faveur? Ouais. Peux-tu fermer tes yeux une minute? Seulement comme ça. Juste ça. Ok. As-tu fermé tes yeux? Mes yeux sont fermés. Je te surveille, oh. Tu peux maintenant ouvrir tes yeux. Oh mon Dieu! Voudrais-tu m'épouser, ma princesse? Oui, 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 oui. Bien sûr, je vais t'épouser, mon prince. Je vais t'épouser. Je t'aime beaucoup, ma princesse. Je t'aime aussi. C'est joli. J'espère que tu l'aimes. J'ai aimé ça. Contente ça. Attends, je ferme la porte. Ichoma, tu es vraiment merveilleuse. Je vais savoir quand est-ce que je vais encore te revoir. Après-demain. Après-demain, pourquoi? Je pensais que je voulais dire demain, toi je dis après-demain. Tu es là.
Ah, Itché, bonjour monsieur. Très bien, comment tu vas? Je veux savoir, est-ce que Igwe est là? Désolé monsieur, il est sorti il y a quelques heures avec Lolo Mirima. Ok, je vais revenir. Je vais juste savoir comment il se porte. Merci, hein? Tu m'as fait du bien pour cette raison. Regardez-moi ça comme dans un cinéma. Etienne, bonsoir. Bonsoir, ma princesse. Bonsoir, monsieur. Le prince du royaume de Mopala. Je te salue. Waouh. Tu me connais? Te connaître? Bien sûr que je te connais très bien. D'ailleurs, le royaume de Mopala est ma terre maternelle. C'est là-bas que j'ai grandi. Merveilleux, merveilleux. Content de vous voir, monsieur. Content de vous voir vraiment. Oui, mon prince. Je peux voir que vous passez de très bons moments avec notre princesse. Oui, monsieur. Oui. Je suis vraiment de votre côté. Parce que je ne peux pas attendre. Notre précieuse princesse épouser un prince charmant comme vous. Merveilleux. Mais quelle grande convenance. Attendez un peu. Quelle grande convenance, je suis en train de dire. Monsieur, vous pouvez prendre ça pour vous soulager un peu. Prenez, c'est pour vous. Mon prince, tu veux dire tout ça pour moi? Ouais. Mon prince, que le Dieu de nos ancêtres te bénisse abondamment. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Pardon, mon prince, je dois maintenant partir. D'accord, monsieur. Au revoir, monsieur. Hey! Mon prince, vis longtemps, oh. Au revoir. C'est au revoir, monsieur. Il est vraiment amusant. Je suis content que tu t'es amusé. Hein? Je le rentre maintenant à la maison. Ouais. Je te verrai plus tard. Bye. 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 Man sends humanity to man is the order of the day. Wickedness and evil, hey, all hold sway, all because of greed and selfish need that leads to evil deeds, to evil deeds. Mon prince, Itché, bonsoir. Qu'est-ce qu'il y a de bon pour vous de ce soir? Ah, tu ne vas pas y croire. Lay him madu ne mo nyenkeya o. Uwadiegu o.
Ichie, je n'arrive pas à très bien te saisir. Est-ce qu'il y a un problème? C'est quoi le problème? Il y a un problème dans toute chose. Toute chose, voilà le problème. Je venais d'accompagner un ami, alors je me suis décidé d'aller voir ton père. Le Igwe, le même. Dans ma grande surprise, le Igwe n'était pas là. Et quand je suis en train de sortir du palais, devine ce que je vis. Ta sœur, princesse Ujo, câlinant et embrassant le prince du royaume de Oumuapala. Juste devant le palais. Ichie, je ne pense pas que cela constitue un problème. Ma sœur est une adulte et elle peut prendre soin de sa vie sociale. Et je ne dois pas m'immiscer dans sa vie privée. Tu comprends ça? Alors il n'y a pas de problème avec ça, Ichie. Mon prince, tu fais esprit de ne pas me comprendre ou quoi? Tu fais esprit de ne pas me comprendre ou quoi? Écoute. Tu sais ça veut dire quoi? Si, c'est à quoi je pense et exactement ce qui se passe. La proximité de ces deux jeunes gens. L'intimité. Je ne serais pas surpris si Prince Obinna a proposé à ta sœur. Et si tel est le cas, cela veut dire il va se marier avec ta sœur. Cela va automatiquement te faire perdre ta chance d'épouser un prince égo. Et ça, bien sûr, constitue le problème avec notre vie sociale. Je ne sais pas si je vais faire comment. Ichie, si je te comprends bien, est-ce que ça veut dire que je ne peux pas épouser la princesse égo si le prince Obinna épouse ma sœur en premier? Comprends-tu ce que je suis en train de dire? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Écoute. Si le prince Obinna épouse ta sœur, pour l'amour du ciel, tu deviens un perdant parce que tu ne peux pas épouser la princesse Ego. Tu deviens un perdant. Désolé, mon prince. Que ça ne soit pas comme je vous crie dessus. J'ai un peu parlé à haute voix. Prince, tu sais pourquoi je te donne cette information? C'est parce que je te considère beaucoup. Prince, je vous vois comme mon propre fils. Et je veux aussi le bonheur de mon prince. Tu vois? Merci, G. Je dois partir. Ça veut dire quoi? Je ne peux pas me mettre comme ça et laisser les choses se passer comme ça. Je ne peux pas le tolérer. Comment ça? Attends. Mon prince, très important, que personne ne sache que nous avons parlé de ces choses. C'est la sagesse. Mon propre prince. Tu diras que je ne t'ai pas averti. Ne dis pas ça. Wicked man, 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 wic
Pourquoi tu veux qu'elle rit comme ça? Parce que je vais bientôt me marier avec la princesse Ego. Tu es la sœur du prince Obina. Tout le monde dans cette maison et dans ce palais est au courant de notre relation. Toi y compris, Ojuma. Tu m'as trahi en acceptant la proposition du prince Obina. Juste parce que je t'avais permis de m'accompagner dans leur maison. Si tu sais ce qui est bien pour toi, va lui remettre la bague qu'il t'a donnée. Sinon, je jure par le Dieu que je ferai que ces palais soient un enfer pour toi. Femme légère. Veille sur ta langue, Ekena. C'est quoi ça? Tu es fâchée parce qu'elle a pris l'anneau que le prince l'a offert? Et moi alors? Est-ce que tu avais considéré mes sentiments quand tu soutenais ton père à épouser une deuxième femme? Hein? Dis-moi. Et toi, ou du moins, est-ce que tu l'as trahi comme il dit? Mère, ce n'est pas une trahison. Je suis amoureuse du prince Obina. Je mourrai s'il faut lui remettre cet anneau. Tu es vraiment stupide si tu dis ça. Comment? Tu es comment pour la siffler en ma présence? Es-tu fou? Personne ne va m'empêcher d'épouser la princesse Ego. Je veux dire personne. Mère. Je me tuerai si vous m'interdisez d'épouser le prince Obina. Allez, ferme ta bouche. Tu ne vas pas te tuer. Abanotu. Ce que tu as fait, traditionnellement, ce n'est pas correct. Tu ne pouvais pas accepter encore cet anneau pendant que tu sais que ton frère va épouser la princesse. Hier, quand tu m'as dit que ton frère t'avait frappé. Oui, c'est ça. Donc ton frère peut te frapper jusqu'au point de laisser une marque sur ton visage. Je veux dire, qu'est-ce qu'il a dit que tu lui as fait? Je ne sais pas. J'expliquais à ma mère comment tu m'avais demandé la main. Et puis, j'ai accepté. Il s'est fâché, m'a giflé. Après, m'a dit de remettre cet anneau et de rester loin de toi. Et a-t-il par hasard dit que je lui ai fait quelque chose de mal? Il a juste lu qu'il a des plans d'épouser ta sœur et qu'il ne veut pas que je sois avec toi pendant qu'il veut épouser ta sœur. Alors va lui dire qu'il ne va pas réussir. Parce que moi, prince Obina, je ne vais pas permettre à un homme qui peut infliger une telle peine à une femme se marier avec ma grande sœur. Ce n'est pas possible. Va lui dire ça. Baby, je vais mourir si je ne t'épouse pas. Je t'aime beaucoup et je ne veux pas te perdre. S'il te plaît, fais quelque chose pour ça. T'en fais pas, mon amour. Je le ferai, ok? Je dois vraiment faire quelque chose à propos de ça. Juste va prendre soin de toi. Je vais régler ce problème moi-même. Tu ne peux pas croire ça. Maman, tu ne peux pas croire ça. Maman, okay, calme-toi d'abord. Calme-toi. Aspire. Expire. J'ai consulté mes emails. Okay. J'ai eu une invitation. Invitation pour quoi? On m'a permis de faire mon doctorat dans mon alma mater, maman. Sérieuse? Je suis si heureuse. Egonima,
Egonima, regarde, je veux que tu coupes tout contact qui te lie au prince Ikena, du royaume d'Agueno. Quoi? En effet, je veux que tu restes loin de lui complètement. Reste loin de lui. Et pourquoi je dois faire ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui concerne le prince Ikena? Parce que moi, je proposais à sa sœur princesse Ujumwa. Et c'est elle que je vais épouser. Maman, peux-tu même imaginer que le prince Ikena a même giflé la femme que je vais épouser? Peux-tu imaginer ça? Reste loin de lui. Hey, arrête-toi là. Qu'est-ce qui a fait toi, Obina? Quel est ton problème? Donc tu veux que ta soeur reste loin du prince juste à cause de ce que tu as dit? Juste parce que le prince Ikena a giflé la fiancée? Maman, c'est parce que je vais épouser sa petite soeur. Je pense que tu blagues. Maman, si vraiment tu t'en souviens, n'est-ce pas toi hyper qui était derrière moi, mais faisant la pression de trouver une femme pour faire de petits enfants? Et alors? Maman, j'ai été malchanceux avec toutes les filles que j'ai rencontrées. Et maintenant que j'ai trouvé l'amour de ma vie, pourquoi vous liguez-vous contre moi? Bien, Obina, de tout ce que tu peux voir là, je veux dire, ça ne me dit rien du tout, tu parles des bêtises. Vraiment? Qui es-tu pour me dire avec qui je dois passer les restants de ma vie? Maman, pardon, Ikena est ma vie. Je ne peux pas vivre sans lui. Obina, tu dois l'accepter comme ça. C'est ce qu'on va voir. Obina, tu as vraiment tort. Ego a commencé à voir Ikena même avant son master. Et tu le sais bien. Et tu fais seulement comme ça pour dire à Ego d'arrêter de voir Ikena. Tu es malade. C'est bon, on va voir. Oh, c'est bon. Qu'est-ce qu'on va voir? Maman, tu vois ça? Maman, tu vois ça? Tu peux rester là et Obina est en train de me parler comme ça. Calme-toi. Allez. En haut. Maman. J'ai dit en haut. Obina. Ah. J'ai dit, va en haut. Juste des ça, tu vois, mais ça dure aujourd'hui. Stupide garçon. Obina, regarde-moi. En tout cas, vous me tenez, vous. Prince Obina. Mets-toi. Bien, je voudrais d'abord commencer par te remercier pour avoir honoré cette invitation. Ikena, j'ai appris que tu as giflé la femme de mes rêves. Je vais te pardonner cette fois-ci parce que, mon amour, ta petite sœur avait plaidé avec moi de faire ainsi. Mais fais-moi confiance, la prochaine fois que tu fais une telle chose encore, moi, je ne vais pas te pardonner. Obina, je peux voir que t'as un trouble fête. Mais je ne veux pas te confier avec toi. Tu vois, j'aime vraiment ta sœur. Nous sommes avec elle il y a très longtemps. Et tu es au courant que nous sommes engagés avant même qu'elle puisse voyager pour l'Amérique. Pour son programme de master. Je n'avais pas payé la dot parce que j'avais accepté sa proposition. Qu'elle devait d'abord finir ses études. Maintenant, je vais réaliser mes rêves. Tu as choisi d'être une barrière contre moi? Tu sais, je vais te conseiller de demander à ton père à propos des cultures et des traditions de votre terre. J'ai emprunté le chemin avant toi. Et il m'est impossible de m'arrêter. Par conséquent, tu dois me laisser passer. Tu mens, Ikena. Ikena, tu mens. Regarde, il n'y a aucune chose dans le monde entier qui pourra me faire changer d'avis. Et je veux que tu saches, je dois épouser ta petite sœur, princesse Ujumwa. Et rien ne pourra m'en empêcher. Et c'est la dernière option que j'ai. Tu sais, la façon dont tu es en train de parler, c'est aussi clair de comprendre que tu es vraiment faible. Parce que tu fais le bruit pour rien. Bien tellement que tu insistes que tu veux épouser une femme du royaume d'Agueno. Tu peux aller de l'avant. Mais, définitivement, pas ma petite sœur.
il y a beaucoup de jeunes filles que tu peux choisir. Et laisse-moi te dire la vérité, Obina. Je ne vais plus t'avertir concernant ces problèmes. Encore. Voyons celui qui va abandonner à la fin. Voyons celui qui va abandonner. Tu sais, la vie est certes amusante. Depuis que tu es venu ici, quelque chose te dérange-t-il? Mais laisse Onyema tranquille. Il est en train de penser comment violer la princesse ou du moins. Hein? Onyema, c'est vrai? Oja, Oja, c'est quoi ton problème, Oja? Oja, c'est quoi ton problème, Oja? Hein? Ekele, avertis Oja, avertis-le. Je pense juste comment faire de l'argent et il est en train de dire n'importe quoi. Tiens, oh mec, tu parles comme ça, Onyema, comme si je ne te connais pas. Jai, un beau gosse. Ne touche pas. Calme-toi, calme-toi. Attends, non. Est-ce que j'ai menti? Mon mec, on se connaît. C'est une pensée sage. Laisse-moi tranquille. Hey, mec. Attends, non, mon gars. Prends, je veux pas fumer. Je veux pas fumer. Jai, regarde. As-tu pu élaborer un plan? Comme, qu'est-ce que tu as à l'esprit? Ouais. Mais je dois d'abord parler avec mon père pour m'aider si ça va marcher. Avant que je puisse étaler le plan à vous deux. Ah, est-ce que tu essaies de dire que c'est devenu un secret? Oui, c'est un secret maintenant. C'est un secret. Chai, mon pote. Un secret. Père, je ne porte pas bien. Pas bien vraiment. C'est quoi le problème avec toi? Père, peux-tu croire que le prince Ikena du royaume d'Agueno ne veut pas que je pousse sa petite soeur princesse ou du moins? Père, tu es celui qui m'est persuadé pour me marier pour te faire de petits enfants. Pourquoi le prince Ikena veut-il être une barrière contre moi? Même maintenant que je suis en amour avec sa propre soeur? Je veux dire, pour qui est-ce qu'il se prend? Assieds-toi, fils.